Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite, originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Le Seigneur est roi, il s'est revêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Nicodème reprit : Comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit : Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Nous oublions parfois que notre foi est concrète. Le Verbe s'est fait chair. Il n'est pas devenu une idée. Il s'est fait chair. Et quand nous récitons le credo, nous disons tous des choses concrètes. Je crois en Dieu le Père, qui a fait le ciel et la terre. Je crois en Jésus-Christ qui est né, qui est mort. Ce sont des choses concrètes. Le caractère concret de la foi qui conduit à la franchise, au témoignage jusqu'au martyre qui est contre les compromis ou l'idéalisation de la foi. Le vent souffle où il veut, et vous entendez sa voix, mais vous ne savez pas d'où il vient, ni où il va. Il en est de même pour quiconque est né de l'Esprit. Il entend la voix, suit le vent, suit la voix de l'Esprit sans savoir où il aboutira, parce qu'il a fait une option pour le caractère concret de la foi et de la renaissance dans l'Esprit. Que le Seigneur nous donne à tous, en cet esprit pascal, d'aller sur les chemins de l'Esprit sans compromis, sans rigidité, avec la liberté d'annoncer Jésus-Christ tel qu'il est venu dans la chair.